Je voudrais vous rappeler qu'à mesure que les semaines passent, à mesure que les jours passent, une évidence s'impose de plus en plus dans nos esprits, avec une clarté lumineuse. Le Québec est notre seul pays. Et notre seul pays, c'est le seul endroit au monde où nous puissions travailler à notre bonheur collectif dans la paix. Loin, loin des marchandages mesquins, loin des ententes convenues dans le secret et la confusion. Ce pays où il fait bon vivre, je l'aime, vous le savez tous, et je sais que vous l'aimez tous. Mais dans les jours qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, nous devrons travailler tous très fort pour que le Québec puisse assumer son destin en toute liberté. À tous ceux et celles qui vivent au Québec avec nous, qui veulent vivre au Québec, qui veulent rester au Québec, quelle que soit leur nationalité, nous les invitons à bâtir avec nous la nouvelle société du Québec, le Québec nouveau. Cependant, il faudra toujours se rappeler que l'avenir du Québec ne se décidera plus jamais à Terre-Neuve, au Manitoba ou ailleurs. L'avenir du Québec, à compter de maintenant, sera décidé au Québec par les Québécoises, et les Québécois.